Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Puis drôliste, petit journal personnel, mais j'ai envie de vous parler de défis fantastiques. Oui, il y a toujours une bonne occasion de parler de défis fantastiques et je saute sur chacune d'entre elles. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, c'est ça. Dans mes dernières vidéos, interventions, je vous ai raconté, entre autres, que j'étais joueur dans une partie de défi fantastique, que je jouais un B, OK? Une petite race qui aime jouer au baseball. Puis, c'est ça, écoute, j'étais hyper content de tout ça. Sauf que la vraie vie a frappé, et oui. Meneur de jeu, il y a un restaurant. C'est, je ne sais pas si vous savez c'est quoi avoir un restaurant dans la vie. Mais savez-vous c'est quoi avoir un restaurant qui ouvre à pleine capacité quand que justement c'était mollo ces derniers temps? Ben, il n'y a plus le temps. OK. Je le comprends très bien. Et c'est dommage. Sauf que là, moi, j'étais hyper hype de faire du défi fantastique. J'ai ouvert ma plage horaire. T'sais, j'ai fait de la place pour laisser rentrer des défis fantastiques dans ma vie. Et il y a deux autres joueurs, en fait, qui avaient aussi fait cette place-là. Là. Fait que le moment présent était assez idéal pour que Défi Fantastique reste. Donc, j'imagine que peut-être certains d'entre vous ont deviné. Chez meneur de jeu de la partie, j'ai décidé de lever ma main. Ben, quoi, je vais la prendre, la game. J'ai envie que cette game-là continue. J'ai envie, là, tu sais, l'occasion de faire du Défi Fantastique à se présenter sur un plateau d'argent. C'est un projet que je mettais toujours sur la glace. Un moment donné, je vais en refaire. Mais là, c'est là que ça se passe. C'est sûr que mon idéal, c'était le fait d'être joueur. Pourquoi? Parce que j'en fais un tabarnan de jeux de rôle, c'est un site, là. T'sais, surtout que cette semaine, je commence deux nouveaux contrats de Donjons et Dragons. Fait que, regardez ça, ça va être plaisant, là. Mais on s'entend, c'est un jeu qui me pompe un peu plus de jus pour que ça soit intéressant. Fait que là, c'est sûr que là, disons que des fantastiques en tant qu'on a un jeu, c'est comme la game de plus, là. Mais c'est correct. Je pense que c'est correct parce que, on s'entend, j'adore ce jeu, je le connais bien, tu sais, je maîtrise bien le monde. Puis, tu sais, je regarde ça de même d'un œil, là. Vous savez, parmi toutes les games, ça va être la seule game d'un jeu que j'ai vraiment envie de faire, OK? Parce que, ouais, tu sais, ça va pour les autres, là. Je fais du donjon, ça va, ça passe. Je fais du chronique oublié, c'est pas mal le fun, mais c'est intense, c'est 1 heure. C'est pas comme une game à moi, là, tu sais. Puis, big game avec mes enfants, c'est le fun, Hero Kids, tu sais, je fais des trucs le fun, là, mais... T'sais, puis genre, labyrinthe, t'sais, j'en ai quand même envie de toutes ces games-là, mais ça, c'est vraiment un jeu qui a une place importante pour moi, là, OK? Fait que, juste à cause de ça, je suis quand même relax avec l'idée. Je suis quand même relax. Je le sais qu'en tant que meneur de jeu, je vais m'asseoir, puis il y a une partie de la job qui va se faire un peu tout seul. Entre autres, grâce à la qualité des joueurs que je vais avoir. Là, j'ai les deux joueurs qui avaient déjà... Patrick et Sébastien qui étaient dans ma game True 20 RPGS. Fait que, tu sais, lui, correct, je connais, tu sais, lui, j'ai une expérience de jeu avec. Donc, c'est ça, je pense que jusque-là, je suis très rassuré. Mais ça prenait peut-être un peu plus de roues au carrosse. Fait que, tu sais, je suis parti à la pêche. Dire, OK, je vais aller voir s'il y a du monde de même qui a envie d'embarquer. Tu sais, proposer la plage horaire qu'on a. Puis, je suis pas allé bien loin pour commencer. J'ai tout simplement demandé aux deux autres joueurs qui avaient dans True 20, des fois, tu sais, je m'attendais à rien. Mais les deux ont dit oui. Fait que Marc puis JP embarquent. Écoutez, on n'a pas joué encore, là, tu sais, on s'entend. Là, je suis comme plus dans la projection de quelque chose qui s'en vient, tu sais. Il va y avoir l'épreuve du temps, l'épreuve de la game. Est-ce que ça colle? Est-ce que le jeu plaît à gang? Est-ce que le système plaît, tu sais? C'est ça. C'est sûr que de mon côté, je vais faire le plus en sorte que que la game reflète les aspirations des joueurs pour leur personnage, évidemment. Mais reste que, tu sais, déjà, je trouve que je suis dans une situation idéale en tant que meneur de jeu parce que j'ai déjà un trio de joueurs que je connais, que tu sais, ça me fait super plaisir, là, pour sérieux, parce que je sais comment jouer qu'eux autres, tu sais. Je sais ça va être quoi la dynamique de groupe, tu sais, je vais avoir une bonne idée de comment ça va aller. Tu sais, puis je connais la fiabilité des joueurs, fiabilité à tout plein de niveaux et surtout à celle de me fournir du stock. Tu sais, par leur jeu, clairement, il y a des histoires qui vont s'inventer, là. Puis l'autre joueur, Patrick, que je connais un peu moins, mais je sais qu'il est capable d'en donner aussi. Je l'ai vu en action. Fait que, tu sais, je le sens que j'ai un groupe, le fun. Tu sais, des gens partant, là, tu sais. Donc, oui, c'est la game de plus, mais en même temps,
Je trippe sur le jeu, je trippe sur l'univers. J'ai des joueurs. Je sais que j'ai des joueurs pour rendre ça possible. Et je sais que en étant relax sur le genre d'histoire que je veux peut-être préparer, ça va marcher. Là. Parce que je leur ai dit, là, je pars pas dans des grands arcs là, en partant. Je pars pas avec une idée majeure qui va guider la campagne. On va regarder les personnages, qu'est-ce qui leur passe. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres. À date, là, peut-être la grosse affaire qui a comme été commencée avec les deux autres personnages déjà, c'est le fait que à part Sable Noir, il s'est passé quelque chose, puis ils ont été comme, disons qu'il y a des mafiosos, des gangsters, si on pourrait appeler ça, des chefs de guilde, des marchands, qui, en fait, vont rechercher ces deux personnages-là parce qu'ils ont fait un deal foireux. Fait que déjà, j'ai déjà quelque chose, là, t'sais, peut-être sur lequel jouer, une ficelle sur laquelle tirer, mais reste que ça ouvre bien des possibilités. C'est un univers de titans, on veut dire, c'est un univers de possibilités en termes de médiéval fantastique. Non, c'est ça, j'embarquerai pas dans des grands arcs. Je vais voir ce que ça va faire. Les grands arcs vont arriver par eux-mêmes. Il y a aussi l'autre éventualité, c'est que j'ai quand même deux aventures, ben même plus que deux. J'ai certaines aventures, en fait, de défis fantastiques, que c'est des adaptations des livres dont vous êtes le héros. Ce qui peut être intéressant. Tu sais, vous dire, j'ai la forêt de la malédiction, j'ai le labyrinthe de la mort, j'ai l'épreuve des champions, j'ai la série sorcellerie. En deux versions, la version D20 et la version officielle Advanced Fighting Fantasy, qui est pas mal intéressant. La version Advanced Fighting Fantasy, Crown of Kings, c'est pas tant une campagne, OK? Bon, pour ceux qui connaissent les livres dont vous êtes le héros, la fameuse quadrologie de sorcellerie, l'histoire, en gros, c'est que la couronne des rois a été volée par l'archimage de Mampang. Fait que c'est ça. Puis là, le héros doit aller la chercher. T'sais, parce que sinon, s'il a le contrôle de la couronne, ça va mal. Bon. Fait que là, dans le livre dont vous êtes le héros, évidemment, c'est hyper dirigé. Là. Tu passes par la cité des pièges, puis t'es fou d'aller chercher des affaires précises. T'sais, le carré. Mais c'est ça. Mais reste que, tu sais, dans la version jeu de rôle, je trouve que c'est plus un guide de ce monde-là. C'est plus un répertoire des différentes affaires qu'on voit dans le livre dont vous êtes l'héros, plus en termes de guide. C'est sûr qu'il suggère des directions, les mêmes directions que dans le livre, mais en fait, en tant que tel, je pense que c'est un gros sandbox pour essayer de retrouver la couronne. T'sais. J'ai aussi le Sorcier de la Montagne de Feu, version officielle Advanced Fighting Fantasy. Bref, j'ai quand même une couple d'affaires. Je sais qu'en français, j'ai des modules, des campagnes. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop pour ce que j'essaie de faire. Je veux de quoi de relax, tu sais, je veux pas nécessairement me diriger sur les rails d'une histoire. Encore là, ça se peut que le groupe décide de « Ah, ça me tente de l'essayer, fait go, tu sais, je vais peut-être m'y mettre là, à lire la campagne. » Mais tu sais, j'ai plus envie de suivre les joueurs. Tu sais, je le sais, là, tu sais, je le sais quel genre de joueurs qu'ils sont. Je le sais qu'est-ce qu'ils sont capables de me donner. Comme je dis, là, si la sauce, elle pogne, là, tu sais, si la sauce, elle est bien mélangée et qu'elle roule, ben ça va être excellent. Et il va falloir que ce soit, parce que c'est quand même une partie aux deux semaines. Et là, on tombe dans le piège des parties aux deux semaines, c'est-à-dire que s'agit qu'on en manque une, que finalement, on joue un mois plus tard. Bon. Mais ça veut pas dire que ça marche pas. C'est pas, mettons que tu sais, une game sérieuse, tu essaies de mettre ça aux semaines, justement, parce que justement, on manque une semaine, c'est moins pire. On le sait, on connaît la mathématique de la chose. Mais tu sais, quand t'as des joueurs motivés, quand t'as des joueurs de qualité, quand t'as de quoi d'intéressant qui reflète justement, comme je disais, les aspirations des joueurs pour leur personnage, ben écoute, tu sais, je pense que même si des fois on skip une fois ou deux, on va revenir motivé. Du moins, je le vis présentement, je vous le dis. Je le vis avec Gros Soleil puis ma game de donjon que je fais avec eux autres. Parce qu'il y a des fois qu'on a sauté des semaines. T'sais, c'est une game aux deux semaines. Ben, toutes les fois, on vient puis les joueurs sont complètement investis. Là, ils sont dans leur affaire puis ils veulent voir où est-ce que c'était leur aventure va mener. Fait que ça peut marcher. C'est un concept un peu relax pour le défi fantastique que je veux amener. Puis ça va l'être pour moi, en tout cas. Voilà, c'est ça que j'avais à vous raconter. Bon, fait que voilà, c'était les nouvelles des fantastiques. Fait que la game va reprendre du service, mais je vais être le meneur de jeu. Voilà, François Letard, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.